Hop, je regarde juste un truc sur le. Ils sont morts déjà, Romain ? Non, ils sont enfermés. Parce que. Et du coup, j'ai loupé ce qui s'est passé. Le match vient de commencer, apparemment. Quand même, Kama il n'aime pas Sonic. Certainement parce que ça court partout et qu'il a du mal à le toucher. Ah, c'est dommage. Sonic a voulu être un peu plus bas pour voir s'il pouvait remonter. Il y avait de l'idée. En tout cas, on a un joli match-up. Peach contre Sonic, ça change un peu. Oui, Peach d'ailleurs en skin Evil Peach, dans quel jeu déjà? C'est dans un des Paper Mario, il me semble. Hein. La porte millénaire? Donc c'est sur GameCube. Super Paper Mario, je l'ai trouvé sympa. C'est pas un vrai Paper Mario, mais dans son style, il avait quelque chose de sympa. Oh, allez, c'est serré, la Peach qui a du mal à finir le Sonic. Sonic qui loupe ses forward smash. Ah, t'es allé un peu trop bas là, Sonic. Oh, la Stitch Face. Jeté dans le vide pour rien, c'est dommage. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, Zèbre. Ouais, mais c'est pas facile. C'est pas facile à caler, je te l'accorde, mais c'est ce qu'il faut faire. Nice, voilà, ça c'est un bon Sonic, ça. Voilà, ça c'est bien, c'est de la bonne mobilité. C'est bien, tu commences à prendre le perso en main. Faut savoir que Zèbre ne joue pas beaucoup à Smash, pas beaucoup à PM en tout cas. Même à Melee, enfin pas beaucoup à Smash tout court. Et donc il change de perso quasiment à chaque fois, il essaye de voir ce qui lui plaît. Et du coup, il semble avoir trouvé quand même. Il semble être à l'aise avec Sonic. Parce qu'il roule partout, exactement. Mais Sonic, c'est un personnage, si t'es pas mobile, c'est un perso qui sert à rien. Ouais, mais lui, c'est vraiment. Il joue que sur ça, quoi. Regarde la Peach, elle campe avec ses navets, elle est pas mobile, hein. Allez, Sonic qui passe à travers le navet, qui se bat comme il peut. Voilà, le forward smash qui fait des dégâts. Ça tente des trucs du côté de chez Sonic, ça connaît pas très bien le perso, c'est dommage. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça peut faire quelque chose de bien. Allez, deux stocks d'avance pour Kamaï. Qui est quand même... J'ai l'impression qu'il a du mal quand même contre Sonic. Hein. Ça bouge trop. Ça bouge trop, me dit-il. Mais enfin, grand-père! Comment un AV dans un jeu peut-il te faire du mal? Allez, Sonic, bats-toi! C'est un AV qui a un visage! C'est un AV de Fukushima, exactement! Allez, vas-y, Sonic! Vas-y! Vas-y, Sonic! Oh, dommage! Il y avait de l'idée, je pense que ça peut passer! Il y a de l'idée! Ah, dommage.
Dommage. 1-0 pour Kamaï. Il y avait de l'idée dans le dernier combo. Il y avait des bonnes idées, vraiment. Ah, et ça change de perso, ça prend Yoshi. Ça a envie de mettre des météores. Ça a envie de mettre des météores. Je le sens. Que les deux premières lignes. Allez, ça va se jouer sur Skyloft. Ça spam le down tilt. La dash attack. C'est bien, Sonic qui shield bien. Il se défend pas mal, mais Yoshi qui est quand même un peu plus rapide que Peach. Donc ça risque d'être un peu plus difficile. Mais je pense que Sonic a toutes ses chances dans ce match-up là. Allez, ça court dans tous les sens. Oh, la bonne esquive. C'est dommage qu'il y ait eu un smash derrière pour Sonic. Le down B. La fa qui passe. Je crois que c'est la fa le coup de pied en avant comme ça. Oh, et le forward smash qui passe. Ben voilà, Project F smash, on y revient. On y revient. Encore une fois, avec la taunt derrière, c'est pas suffisant, mais ça aurait pu. En attendant que vous regardiez le spectacle, j'en profite. Si vous appréciez ce qui se passe en ce moment, si vous voulez voir plus de Smash Bros, si vous voulez voir du Smite pour ceux qui connaissent Smite, si vous voulez voir du Wildstar quand il sortira en juin, ceux qui sont derrière, je vous emmerde, vous êtes chez moi, ok? Voilà, merci. Et du coup, voilà, si ça vous plaît, il y a un petit bouton en bas à gauche qui s'appelle Follow. Je vous invite à me suivre sur ma page Twitch et sur mes réseaux sociaux. J'en profite pour faire ma pub pour demain. Je ferai un marathon classique Mega Man series. C'est-à-dire que je vais jouer sur toute la journée non-stop et toute la nuit s'il faut, toute la journée de demain s'il faut. Pour finir les Mega Man 1 à 8 via le jeu avec un Mega Man Anniversary Collection. Donc effectivement de 1 à 8 sans m'arrêter. Pour répondre à ta question, Jean. Et voilà, donc si vous voulez voir, si vous voulez me voir rager, n'hésitez pas à revenir demain. Je pense qu'il y aura de la rage gratos. Et voilà, mais revenons-en au match. Il y a une stock d'avance pour Yoshi. Allez Sonic, avec une stock c'est encore faisable, c'est bien, tu te défends bien. Allez, on encourage Sonic. Qui mérite Sonic. Il mériterait de lui enlever encore une stock à Yoshi là qui est malade. Il est tout rose, il est tout pâle. Allez, Kamaï qui spam les... Oh non, ça serait moche de tuer quand même le Sonic comme ça. En mode œuf, je suis sûr qu'il a envie de le faire. Ouh, le F-Smash qui aurait pu passer. Ouh, il y aurait eu le coup de pied derrière, je pense que le Yoshi il serait passé là. Il y aurait eu une stock. Allez Zèbre, mets-nous un F-Smash. Enlève-lui une stock. Voilà. Le F-Smash qui passe. Alors là. Oh, et voilà. Et la fois qui passe, et 2-0. 2-0 pour Kamaï, bien joué.